En ce moment, au donjon, on pratique toutes sortes d'évaluations pour s'assurer de la sécurité du Ledger Stax. Bien que le Stax s'appuie sur un Secure Element, qui est la même technologie utilisée dans tous les Ledger Nano, on se doit de réaliser tous ces examens. Car le Stax présente des nouveautés, comme par exemple l'écran tactile ou la technologie e-ink. Et avant de lancer le produit sur le marché, on se doit de vérifier que ces nouvelles fonctionnalités n'ouvrent pas de surface d'attaque pour un hacker. Donc on pratique toutes sortes d'attaques, on traque la moindre faille. Des attaques en faute, comme du laser ou du glitch. Des attaques par canaux auxiliaires ou des attaques logicielles. On met en œuvre tous les moyens à notre disposition au donjon pour asserter que le Stax réponde aux exigences de sécurité Ledger. Là par exemple, en pratiquant une attaque side-channel de haut niveau sur ce prototype, on se rend compte que l'analyse de consommation électrique du pin ne révèle pas de fuite d'informations sensibles. Pour le donjon, le Ledger Stax ne présente pas de vulnérabilité. Nous n'avons trouvé aucune porte d'entrée qui permette de compromettre sa sécurité.